Regardez ce château qui a plusieurs centaines d'années. C'est très beau. Vous avez le sentiment d'être un roi ? Oui, un peu. Je suis très fier. Depuis 2013, le drapeau rouge aux 5 étoiles flotte sur Châteauloudun. Monsieur Zhang est le nouveau patron. Son groupe a déboursé 20 millions d'euros pour s'offrir ce vignoble. Ça, c'est le château. Et tout ça, ce sont les vignes. On a même une forêt là-bas. Il est l'un des responsables de Mao Tai, le plus gros producteur d'eau-de-vie chinois. Et pour lui, un château dans le Bordelais, c'est un peu une révolution culturelle. Monsieur le directeur, regardez-moi, je prends une photo. Il y a 20 ans, j'avais 30 ans et je ne connaissais rien au vin. Je n'en avais jamais bu. Je ne buvais que de l'alcool de céréales, car la Chine est la patrie de l'alcool fort. La première fois que j'ai bu du vin, c'était en 2003. C'était avec des amis. On a décidé d'ouvrir une bouteille de vin au lieu de notre alcool habituel. Je ne peux pas dire que j'ai aimé. J'ai trouvé ça bizarre. Entre-temps, le vin est devenu furieusement à la mode en Chine. Mais l'achat de ce domaine n'est pas qu'un placement avisé. Il servira d'étendard à Mao Tai dans une stratégie de conquête mondiale. Châteauloudun n'est plus seulement un vignoble. Il représente maintenant l'internationalisation de notre marque nationale Mao Tai. Avant, les Chinois étaient rejetés. On n'était pas les bienvenus. Maintenant, l'attitude envers nous a changé du tout au tout. Depuis 2005, les patrons chinois ont investi plus de 7 milliards d'euros en France. Une arrivée soudaine de capitaux qui déclenche les passions. Alors, qui sont ces entrepreneurs chinois qui s'installent de plus en plus nombreux chez nous ? Enquête ce soir dans le 19-20 sur cette Chine qui ne se contente plus d'être l'atelier du monde. Aujourd'hui, son ambition est de racheter tout ce qu'elle peut en Europe. Cet appétit chinois connaît une expansion fulgurante. 3000% de hausse depuis 2005. En 2014, le constructeur Dongfeng prend 14% du capital de PSA. La même année, Club Med est acheté pour 940 millions d'euros. Ils ont aussi des parts dans l'aéroport Toulouse-Blagnac, EDF, l'opérateur satellite Eutelsat, des entreprises de luxe et tant d'autres encore. Les trois quarts de ces investissements proviennent d'entreprises d'État et sont planifiés par le Parti communiste. Quelles sont les intentions et la stratégie de Pékin derrière ces milliards déversés à l'étranger? Quel intérêt pour la France? Ne risque-t-elle pas d'accroître sa dépendance à une économie chinoise plus fragile qu'il n'y paraît? Carré a sorti ses plus beaux atours. La ville accueille l'investisseur chinois qui construit cette immense usine à lait. Rendus méfiants par les scandales sanitaires dans leur pays, les Chinois veulent du lait étranger pour leurs bébés. Et M. Zhang, le troisième producteur de lait infantile de Chine, a choisi une terre exotique, la Bretagne. Tu sais, la Bretagne, c'est le même peuple qu'en Irlande. Oui, ceux qui portent des jupes.
Non, ça, ce sont les Écossais. Monsieur Zhang a investi près de 100 millions d'euros. C'est l'homme du jour. Il est accueilli à bras ouverts par le maire de la ville. Pour l'élu breton, la présence des Chinois vaut bien tous les superlatifs. Un temple de l'agroalimentaire des temps modernes. La plus grande construction en cours en Bretagne. La plus belle construction. Ouais. Ah ouais, c'est ce que les gens disent. Donc on le remercie aussi de son travail. La fête de chantier est une bonne occasion pour le maire de faire un geste symbolique. C'est encore un dossier complémentaire. Donc maintenant, en plus, un laboratoire et des bâtiments administratifs très conséquents sur la ville de Carhaix. En tout cas, Monsieur Zhang, un grand merci pour votre investissement. Longue vie à Sinutra, longue vie à Sinutra mondiale et longue vie à Sinutra Carhaix. Monsieur Zhang apprécie au plus haut point ces petites attentions. Je dois remercier la mairie, le maire Trois-Decq. On dit que le gouvernement de Chine est un gouvernement économique. C'est pourquoi depuis 30 ans, la Chine s'avance si vite. Mais en France, ici, à Carhaix, j'ai bien senti la même odeur de la mairie chinoise. Deux ans de travaux pour l'une des plus grandes usines de lait infantile en Europe. En janvier 2016, l'usine produira 120 000 tonnes de lait en poudre, soit 10% de la consommation chinoise. Les termes du contrat restent secrets. Donc avec ça t'es tranquille. On est calme. Ouais. Mais il pleut pas beaucoup en Bretagne, ça va. Juste assez pour nourrir les vaches. Pour M. Zhang, cet investissement en Bretagne répond à un besoin vital pour la Chine. Venir investir en Europe, c'est garantir une ressource à plus long terme. C'est la base de tout. Dans 10, 20, 30 ans, la Chine va encore plus manquer non pas de consommateurs, mais de ressources. Alors il vaut mieux sortir du pays maintenant pour investir que plus tard. Ça, c'est stratégique. C'est pourquoi je veux coopérer avec les producteurs français. Tu veux faire de l'élevage? Vas-y, j'achèterai ton lait. Moi, j'ai le marché, j'ai les consommateurs. C'est aussi simple que ça. Des terres, de l'eau, des vaches. Les éleveurs bretons ont tout ce qui manque à la Chine, l'expérience en prime. Il arrive à la traire, celle-là. Parce que l'autre ce week-end m'a fait que des échecs. Ils sont chiants, hein. Jean-Paul Prigent représente les producteurs de la région pour la Sodial, une grande coopérative. C'est lui qui a négocié le contrat d'approvisionnement exclusif avec Sinutra. Les perspectives du marché chinois lui font briller les yeux. Il gagne, je dirais, à peu près 20 millions de nouveaux riches tous les ans qui obtiennent ou qui arrivent à avoir un potentiel d'achat ou de consommateurs type européen tous les ans. Tous les ans. Et avec la politique de l'enfant unique qui est en train de sauter, puisqu'aujourd'hui, il parle de libérer complètement la natalité, on peut, je dirais, entrevoir, je crois que c'est 37 millions de nouveaux-nés supplémentaires par an en Chine. Donc, je suis pas forcément très inquiet. L'usine chinoise va acheter tout le lait qui est trait à 40 km à la ronde. Une aubaine pour les producteurs. Le marché paraît d'autant plus pérenne que produire du lait en France coûte moins cher qu'en Chine. Aujourd'hui, ce qui est annoncé, c'est des coûts de production autour de 500 euros en Chine par 1000 litres de lait. On est plutôt, nous, autour de 350-360 euros des 1000. Donc, je dirais, il y a un delta entre leurs coûts de production et les nôtres qui nous garantissent, je dirais, quelque part, une certaine sécurité.
Le paradoxe est étonnant, mais s'explique. Les éleveurs bretons ont des terres pour nourrir leurs vaches, alors que les Chinois doivent importer toute l'alimentation du bétail. Ça va ? J'ai fait le marché, ça y est ? J'ai pris les bons légumes du marché ? Merci, c'est gentil. Bonne journée. Pour le maire de Carhaix, l'arrivée des Chinois est une manne tombée du ciel. Bonjour. Bonjour, comment ça va ? J'ai un petit document pour la campagne électorale. Vous allez bien ? Reconduit à la mairie depuis 15 ans, l'élu sait que son mandat tient à un mot-clé, l'emploi. 250 emplois de droit français seront créés grâce à l'usine. La Chine, malgré le ralentissement de son économie, est une alliée idéale, surtout en ces temps difficiles. C'est une situation tendue parce qu'on a perdu des grands groupes de l'agroalimentaire, Marine Harvest sur Poulaouen, à quelques kilomètres de Huelgoat et de Carhaix. Hein. C'était plus de 250 emplois, fermeture qui a été programmée déjà il y a plus d'un an et demi. Et puis là, une mauvaise nouvelle à nouveau, la base Intermarché à Rostrona annonce de la fermeture également avec un transfert d'activité vers l'Est. Moi, mon rôle d'élu, je le dis aussi à chaque fois, mon job, c'est de faire en sorte qu'il y ait de l'emploi dans le pays et d'ouvrir les portes de la ville à des gens qui investissent des sommes colossales. Mais ces nouveaux arrivants font quelquefois un peu peur. Et les Chinois dans la région, vous auriez pu l'imaginer il y a 10 ans ? Non, non, non. Mais le Périgueux, on en parlait depuis longtemps. On en parlait depuis très, très longtemps, dès après la guerre de 14. Parler de ce qu'on appelait le Périgeaux à l'époque. Quoi. C'est un fantasme. Oui, mais enfin, bon, c'est une pénétration par des finances extérieures, quoi. C'est plus les finances intérieures. Donc nos pouvoirs baissent, inévitablement. Mais tu sais qu'il y a déjà beaucoup d'entreprises dans l'agroalimentaire dont les capitaux ne sont pas bretons ni français. Hein. Le monde est un village maintenant, le monde est un village. L'arrivée des patrons chinois ne fait pas briller les yeux des seuls bretons. Aujourd'hui, c'est toute la France qui fait les yeux doux à la Chine et à ses investissements. Croissance en berne, chômage au plus haut, ce n'est pas un chef d'État au mieux de sa forme qui reçoit le président chinois en ce mois de mars 2014. S'il l'accueille en grande pompe, c'est que l'emploi est devenu un enjeu crucial et que la Chine peut jouer un rôle. La Chine connaît une croissance impressionnante et qui ne ralentit pas. Elle a donc la volonté d'associer d'autres parties du monde à ce développement. Et de la même manière, la France a des technologies, a des capacités industrielles, a aussi de l'avance dans un certain nombre de domaines et nous sommes prêts à les partager. Lors de cette visite d'État exceptionnelle, une cinquantaine de contrats commerciaux sont signés pour 18 milliards d'euros dans les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile ou du nucléaire. La Chine, pays, on le sait, hautement démocratique, est toujours la bienvenue quand elle signe des chèques. Cette omniprésence des Chinois en France et en Europe est loin d'être un hasard. L'émergence, l'affirmation de la Chine s'est produite à un moment où l'économie industrielle européenne était extrêmement fragilisée. Il faut être bien conscient du fait que les Chinois n'ont jamais caché leurs objectifs. Dès 2008, au moment du déclenchement de la crise, vous avez des prises de position officielles du ministère du Commerce chinois qui expliquent que la crise en Europe va ouvrir des opportunités d'investissement aux entreprises chinoises. Donc ils sont conscients effectivement du fait que le besoin d'emploi est un déterminant important pour toutes les politiques publiques en Europe. Cette stratégie d'État est lancée par le Parti communiste au début des années 2000. La Chine ne veut plus simplement être le sous-traitant du monde. Les directives des plans quinquennaux sont claires. Le nouvel objectif ? Investir à l'étranger pour monter en gamme, acquérir des technologies, assurer l'approvisionnement énergétique du pays.
La Chine va alors ouvrir plusieurs fronts pour asseoir sa stratégie. En France, la Chine s'appuie sur des politiques acquises à sa cause et des chefs d'entreprise appâtés par le marché chinois. Aujourd'hui, une centaine de patrons ont répondu à l'invitation du Chinese Business Club, un groupe de lobbying de plus en plus actif dans les salons parisiens. C'est effectivement tapis rouge pour les investisseurs chinois, tapis rouge pour les étudiants chinois en France, tapis rouge pour les touristes chinois en France. Tant mieux, on a tout à y gagner. Et sincèrement, adaptons-nous, intéressons-nous à eux. Il y a deux solutions. C'est soit des entreprises font faillite, soit on a la chance d'avoir des investisseurs étrangers, qu'ils soient chinois ou autres, qui s'intéressent à nous et qui disent ben, « moi, chinois, j'y crois, donc je vais investir ». Attendez, c'est extraordinaire. J'ai entendu votre président, il a raison, il a développé un certain nombre de sujets. Pékin a trouvé un ambassadeur de premier plan. L'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin ne cesse de marteler que la France doit faire plus d'efforts pour accueillir les Chinois. En 2014, elle n'était que la sixième destination de leurs investissements en Europe. On peut s'attendre à ce qu'il y ait à peu près 100 milliards d'investis par an, par an. Sur ces 100 milliards, nous devons avoir au moins comme objectif d'accueillir 5 milliards par an en France. En sommes-nous capables ? Le meilleur ami des Chinois sait très bien faire passer leur message. Merci, monsieur le Premier ministre. Mieux vaut s'associer à un géant économique que s'y opposer. Le Premier ministre chinois m'a dit un jour, dites-vous bien une chose, monsieur Raffarin, nous sommes aussi intelligents que vous. Mais en plus, on travaille un peu plus que vous. Donc on vous rattrape et on vous rattrapera. Alors vous pouvez garder vos secrets, mais de toute façon, on les découvrira. Et puis un jour viendra où nous aussi, on sera capable d'avoir des secrets que vous n'avez pas. Donc il vaut mieux partager l'innovation plutôt que se mettre en concurrence avec des gens qui sont aussi intelligents que vous, mais qui en plus travaillent souvent plus que vous. C'est vrai que, vu de Chine, 35 heures par semaine, ça n'aide pas à devenir une superpuissance. Dans la stratégie chinoise, nouer des alliances ne suffit pas non plus. Pour devenir le premier, il faut savoir avancer ses pions. Châteauroux, 45 000 habitants. La capitale berrichonne est l'un de ces territoires stratégiques convoités par les Chinois. Pourtant, les apparences ne plaident pas pour la ville. Population vieillissante, magasins qui ferment, usines qui licencient. Mais les Chinois, eux, y voient autre chose qu'un tableau noir. Ils projettent ici un investissement pharaonique. Et ce qu'ils ont tout d'abord repéré, c'est un aéroport à nul autre pareil. Allez, mon coco, tire. Ce qui caractérise l'aéroport de Château en termes de dimension, c'est d'abord cet immense parking. C'est un des aéroports français qui propose la plus grande superficie de parking. Et puis, une des plus grandes pistes d'Europe. Et qui surtout permet d'accueillir ici tout ce qui vole au monde. On n'a pas de contraintes. Cet aéroport est un legs de la grande histoire. Jusqu'en 1967, il sert de base de maintenance pour les avions de l'OTAN et de l'US Air Force en Europe. Plusieurs milliers de soldats américains vivent dans la capitale berrichonne jusqu'à ce que De Gaulle se fâche avec l'OTAN. Autour de l'aéroport, des centaines d'hectares de hangars et de bâtiments. Ces édifices sont aujourd'hui vides. Ils appartiennent à la mairie de Châteauroux. Les terrains pourraient accueillir des containers remplis de pièces détachées fabriquées en Chine. Elles seraient ensuite assemblées ici par des entreprises chinoises pour faire un « made in France » chinois.
Le projet est porté par l'un des premiers groupes immobiliers de Chine, Beijing Capital Land. Son actionnaire principal est la mairie de Pékin. Il prévoit de construire des infrastructures non loin de l'aéroport en espérant que s'installent ici des centaines d'entreprises chinoises. Nous allons aider nos petites et moyennes entreprises dans leur développement. Nous voulons les aider à concevoir en France et à fabriquer en Chine pour devenir des marques internationales. Les produits à l'exportation chinois ont besoin de monter en gamme, en qualité et en renommée. Pour les aider dans cette démarche, le groupe immobilier a commencé la construction d'un centre de recherche et de développement. Si les clients veulent ouvrir un centre de recherche et de développement ici, il faut leur demander de quelle surface ils ont besoin, de quels aménagements et de quel matériel. Ce sont des questions qu'il faut poser de manière systématique. Cerveaux français et chinois travailleront ici dans des secteurs de pointe pour les seuls besoins des entreprises chinoises. La France est un pays où l'industrie est de haut niveau et très complémentaire par rapport à la Chine. Par exemple, les technologies de l'énergie nucléaire ou de l'automobile, mais aussi le parfum ou la cosmétique. Beaucoup de choses valent d'être étudiées pour nous en France. Il n'y a qu'en venant chez les autres qu'on peut se mettre à leur niveau. Capter le savoir-faire des autres, ça a un coût. Le groupe immobilier prévoit d'investir 220 millions d'euros sur 5 ans. Ce projet est soutenu depuis plus de 7 ans par le maire de Châteauroux. Il se défend d'ouvrir la porte à un faux made in France. Il n'y a pas que de l'assemblage, il y a aussi la conception, le design, la relation clientèle aussi. On n'est plus sur de l'expédition à des milliers de kilomètres pour livrer un client qui est très éloigné. Là, on est sur une commande d'un client qui est ici, pour lequel on fabrique un produit dans lequel interviennent des composants faits en Chine. Mais aujourd'hui, je dirais que nos entreprises françaises qui fabriquent des produits français, on ne se poserait pas la question du Made in France, souvent, ils ont à l'intérieur des composants qui viennent de l'étranger, de Chine ou d'ailleurs. Et on ne se pose pas la question de dire que ce n'est pas 100% Made in France. Le Made in France, ça ne veut pas dire 100% Made in France. Une définition suffisamment floue qui l'arrange bien. Les Chinois lui promettent plusieurs milliers d'emplois, dont 80% locaux. À Châteauroux, les Chinois ont donc pensé un véritable écosystème. Un aéroport à disposition, un centre de recherche et développement en construction, et aussi l'achat d'une ancienne base militaire où étaient installés les soldats de l'OTAN. Cette ancienne base sera reconvertie en centre universitaire. Elle intéresse déjà un doyen de faculté venu de Pékin. Ici seront formés de futurs cadres d'entreprises chinois. En tout, à l'avenir, on pourra recevoir 8000 étudiants, au maximum. Ça, on ne le détruit pas, on garde tout. Les salles de cours pour les étudiants seront ici. Là, il y aura les bâtiments administratifs. Et là, on aura les lieux de vie pour les étudiants. Des Chinois installés sur une ancienne base de l'OTAN. Le symbole ne manque pas de piment. Apparemment, l'affaire est belle. Ça nous a seulement coûté 1 million d'euros en tout, pour plus de 24 hectares. 1 million d'euros ? Mais quelques amis suffisent pour assembler cette somme. L'affaire est-elle aussi belle pour Châteauroux ? Pour quelques milliers d'emplois créés localement, n'y aura-t-il pas beaucoup plus d'emplois détruits à l'échelle du pays ? Certains, même s'ils sont pour le projet, en ont un peu peur.
Bah, le risque, c'est qu'à un moment donné, l'importation de produits chinois soit telle qu'ils s'adaptent aux technologies européennes, qu'ils s'adaptent au savoir-faire européen, qu'ils répondent véritablement à l'ensemble des besoins de la population européenne et française, à des coûts moins élevés, mais en tout état de cause qu'à un moment donné, cela entraîne la disparition pure et simple des activités industrielles en France. C'est quand même un risque majeur. Je trouve qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On peut demander aux entreprises chinoises d'aider les Français à exporter leurs produits vers la Chine. On peut créer des co-entreprises franco-chinoises qui fabriquent en France ou font le design en France pour le marché chinois. Ou bien, on peut encore imaginer une entreprise française qui vend ses brevets, mais qui continue à les améliorer et à vendre ses produits. Tout est possible. S'installer à Châteauroux, pour les Chinois, c'est une stratégie à long terme. Ils ont tout à y gagner. La culture chinoise, on investit pour demain, voire pour après-demain, voire pour après-après-demain. On retrouve d'ailleurs cette manière de faire dans un jeu qui est très, très populaire en Chine, qui est le jeu de Go, où on va poser des pions sur le Goban pour éventuellement, peut-être plus tard, faire des territoires. Pour la Chine, dans sa stratégie, le projet de Châteauroux, qui existe depuis dans leur tête depuis 2008-2009, donc qui n'est pas un projet d'hier, c'est un pion qu'on nourrit, qu'on développe, en espérant que, mais un jour peut-être, ou peut-être pas. Vision, stratégie, goût du risque. Un cocktail redoutable. Mais ces investissements ne représentent pas seulement une volonté de puissance économique. C'est aussi une question de survie politique. Après le massacre des étudiants en 1989, le numéro 1 chinois, Deng Xiaoping, sent que le Parti communiste est menacé. Il donne alors un coup de fouet aux réformes économiques. Enrichir la population est un moyen de faire oublier le traumatisme de Tiananmen. Depuis, c'est la course en avant. Ce qu'ils veulent absolument, c'est garder le même niveau d'évolution du pays. Toujours évoluer, toujours s'améliorer économiquement, être plus riche, etc. Parce que c'est ce qui fonde la présence et la stabilité du Parti communiste qui est au pouvoir. Donc ils sont obligés de vendre, d'acheter aussi, ils commencent à bien le comprendre, et également de participer à la recherche et développement pour le futur, sachant qu'on est dans une période complètement incroyable où les technologies se transforment en permanence. Cette dynamique prend racine dans les années 90. La Chine ouvre alors la porte aux capitaux étrangers, mais à certaines conditions. La co-entreprise, c'est-à-dire l'association avec un partenaire chinois majoritaire, est obligatoire. Pour produire sur place, les étrangers doivent transférer leur technologie. Ils pensent naïvement qu'ils pourront garder leur avance. Mais c'est une erreur de calcul. Ça a été une première manière, les fameuses joint ventures, donc les co-entreprises. Le fait qu'elles étaient obligatoires pour accéder au marché chinois, il y avait une partie effectivement d'apprentissage pour les entreprises chinoises. Par contre, il est clair qu'aujourd'hui, la Chine veut plus que cela. C'est-à-dire que les co-entreprises en Chine ne sont pas obligées d'amener leur toute dernière technologie. Elles le font si elles le souhaitent pour le marché chinois, mais elles n'y ont pas d'obligation. Par contre, avoir un partenaire avec lequel on est associé capitalistiquement, ça implique une plus forte captation de ce genre de savoir-faire. Aujourd'hui, la Chine complète son arsenal technologique en achetant ce qui lui manque. 250 entreprises sont implantées en France. En région parisienne, pour la moitié d'entre elles. Dans le couloir rhodanien, réputé pour sa chimie et sa cosmétique. Et là où des sociétés françaises cherchent des repreneurs. Souvent, ces sociétés travaillaient déjà avec les Chinois. Mais voilà, en quelques années, les anciens sous-traitants sont devenus des géants aux appétits mondiaux.
Cette entreprise chimique, une ancienne filiale de Rhodia, est rachetée par le chinois Blue Star en 2007. Son patron, M. Gen, fabrique des mastics pour l'usine lyonnaise depuis 12 ans. C'est l'exemple type du sous-traitant qui rachète son ancien donneur d'ordre. Pour 1,2 milliard d'euros, il met la main sur 1250 brevets français. Ronde Poulain, qui avait développé la technologie des silicones depuis fort longtemps, on fait des silicones à Lyon depuis 1953. Et la technologie des silicones n'était pas au même niveau en Chine. Elle était héritée de l'Union soviétique et ce n'était pas véritablement la même technologie. Et les Chinois avaient besoin de cette technologie et c'est pour ça qu'ils ont acquis la technologie de Blue Star Silicone, enfin de Rhodia Silicone. Pour motiver ses nouvelles troupes, M. Gen met en place une stratégie habile. Il garde les mêmes équipes, maintient leur niveau de salaire. Plutôt que de transférer la recherche et le développement, la R&D, vers la Chine, il investit une centaine de millions d'euros sur le site lyonnais. Une des craintes principales était le transfert de toutes les compétences et de toute la connaissance des silicones vers la Chine. Et très vite, on s'est rendu compte que le groupe n'avait pas du tout d'ambition de délocaliser totalement ni les usines ni la R&D. Bien au contraire, ils ont maintenu l'effort de recherche à Saint-Fons. Les 125 chercheurs sont toujours là. Je dirais même qu'il y en a quelques-uns en plus par rapport à 2007. Ce qui intéresse la Chine aujourd'hui, ce n'est pas de racheter des usines, ça ils en ont pléthore en Chine. Ce n'est pas de racheter des brevets déjà existants, c'est de racheter des capacités d'innovation. Et aujourd'hui, dans un secteur comme la chimie, mais aussi l'aéronautique, l'automobile, ce qui intéresse vraiment les groupes chinois, c'est de racheter des entreprises qui sont des pôles d'expertise, qui vont pouvoir continuer à innover pour apporter à l'entreprise chinoise leur savoir-faire et leur innovation. Mais pour ça, il est impossible de tuer la poule aux œufs d'or. Cette stratégie, censée anticiper un éventuel ralentissement économique, les Chinois veulent la répliquer pour l'aéronautique, l'automobile, mais aussi pour le nucléaire ou les télécoms. Et pour cela, ils disposent d'une armée aux ordres, les banques. La Banque de Chine est l'une des quatre premières banques chinoises. Elle a ouvert une succursale à Lyon il y a 4 ans. Ses bureaux vides ne sont qu'une illusion. Elle compte parmi ses clients 27 entreprises du CAC 40, mais aussi beaucoup de PME. L'équipe reçoit aujourd'hui un jeune couple chinois qui va créer à Lyon une gamme de cosmétiques. Ici, il existe des règles différentes par rapport à chez nous. En Chine, il suffit que vous arriviez avec votre carte d'identité pour mettre de l'argent sur votre compte. Ici, c'est beaucoup plus strict, et ça vaut pour l'Europe entière. Ils veulent vérifier que l'origine des fonds ne provient pas d'activités illégales. Je plaisante. Ils veulent connaître l'origine des fonds, c'est ça? Oui. En Chine, toutes les banques dépendent de l'État. Leurs dirigeants sont des dignitaires du parti. Et vu de France, elles ont des pratiques plutôt surprenantes. Elles demandent peu de garanties, multiplient sans problème les crédits et acceptent que les entreprises remboursent avec du retard. On donne une image au public que les banques chinoises sont vraiment audacieuses dans l'investissement. Mais c'est parce que nous avons notre analyse, nous avons notre façon de gérer des risques. Nous avons souvent une habitude de chercher une relation à long terme avec nos clients. Pour les entreprises considérées comme stratégiques, les banques chinoises font même fi de la rentabilité. Donc l'État chinois choisit ses champions, et pour cela, comme disent les Anglais, « the sky is the limit ». Le carnet de chèques est ouvert avec autant de zéros qu'on veut.
indépendamment de la solvabilité à la fois de la société mère, de la société sœur ou de la société dans laquelle on va investir. Et il y a une obligation des banques chinoises de se dire que c'est un investissement qui, quelque part, est stratégique. Et pour ça, les bourses se délient jusqu'au dernier centime. Cet afflux d'argent de l'État chinois crée inévitablement de la concurrence déloyale. L'efficacité redoutable du système chinois est criant dans le cas des télécoms. La capitale catalane devient le rendez-vous mondial des fous de téléphonie chaque année en mars. Pour les marques du monde entier, c'est le moment de présenter les derniers produits. Aujourd'hui, les Chinois sont omniprésents. En 15 ans, ils ont écrasé la concurrence, notamment grâce aux banques. Parti de rien en 1988, Huawei, un ancien fabricant de standards téléphoniques, est devenu un véritable mastodonte. 75 millions de téléphones vendus en 2014, 20% de croissance par an. Cette firme bénéficie de crédits faramineux pour son expansion internationale. 9 milliards en 2004, 18 milliards en 2009 et 27 milliards en 2010. Les grandes banques chinoises vont être amenées à ouvrir des lignes de crédit qui se chiffrent en milliards, voire en dizaines de milliards d'euros pour financer le développement de ces groupes. Et le résultat, c'est que 15 ans plus tard, on a Huawei qui est devenu numéro un des équipementiers télécom mondiaux et ZTE qui doit pointer aujourd'hui à la troisième ou quatrième place. Et avec là, par contre, un impact absolument désastreux sur un certain nombre d'entreprises européennes. En 2013, Alcatel-Lucent est ainsi obligé de gager ses 20 000 brevets pour une simple rallonge bancaire de 400 millions d'euros. Au même moment, Huawei décrochait une ligne de crédit d'une dizaine de milliards. 15 ans de cette concurrence ont laminé l'ancien fleuron français. C'est ça l'économie, c'est ça la libéralisation du marché. Je vous donnais l'exemple de Nokia. En Chine, dans le marché portable chinois, Nokia représente, je connais pas le chiffre exact, mais je dirais qu'il s'occupait plus de 60% du marché. Et il a disparu, comme ça. Donc, ce qui veut dire que dans un marché libre, tout le monde a ses opportunités. Et pourquoi pas, la même chose arrive en France. La scène va changer. On va changer d'acteur. La scène risque d'autant plus de changer que les entreprises d'État chinoises s'intéressent au cœur des industries de pointe françaises. L'histoire est celle d'un autre fleuron de l'industrie française, Manoir Industries, une fonderie spécialisée dans les aciers de haute technologie. Elle possède des brevets sensibles dans les domaines du nucléaire ou de l'aéronautique. Ses clients sont Airbus, Areva ou Alstom. Dans les années 2000, pour répondre aux commandes du nucléaire civil chinois, Manoir veut produire en Chine. Il choisit de collaborer avec Yantai Taihai, une entité parapublique. Mais très vite, les choses lui échappent. Là, ils ont eu accès à tous les brevets et c'est comme ça qu'ils ont pu développer les circuits primaires en Chine. Et que Wang a réussi à devenir leader numéro un du nucléaire civil en Chine. Encore un sous-traitant devenu géant. Mais cette collaboration sur le sol chinois ne satisfait pas les ambitions de M. Wang, le patron de Yantai. Il veut les dernières technologies, notamment aéronautiques et ferroviaires. Quand la fonderie cherche un repreneur en 2012, il se porte acquéreur. Ce qui intéressait principalement, je pense, les racheteurs, c'était l'aéro et le ferroviaire. Donc après, là-dessus, avant le rachat de M. Wang, il y avait une certaine force qui était surtout basée sur l'aéro.
Lui, il a dû se dire, si je prends ça, je vais pouvoir développer en Chine. Sauf qu'au moment où il était en train d'acquérir Manoir, on lui a dit non, l'aéro, ce ne sera pas possible. Face à ce rouleau compresseur, l'État français décide en effet de poser des limites. Il refuse aux Chinois la branche aéronautique. Et dans la foulée, le ministre des Transports met aussi son veto sur la cession de la branche ferroviaire. Pour la partie nucléaire et pétrochimique, finalement vendue aux Chinois en 2013, le gouvernement pose des conditions au moment de signer les contrats. Ce qui peut se passer, c'est qu'il y ait dans les lettres d'engagement, il y ait des zones qui soient définies comme d'accès plus restrictif, etc. Relativement peu pratiqué, mais ça peut se passer. Et c'est très bien, parce qu'on ne peut quand même pas exclure la volonté dans l'investisseur étranger, quel qu'il soit, hein, de vouloir s'approprier uniquement quelques pépites technologiques ou quelques états de la recherche, etc. Même avec des restrictions, certains considèrent que la vente d'une partie de ces fonderies stratégiques n'aurait jamais dû avoir lieu. Pour vous, il n'aurait pas fallu vendre Manoir Industries à un investisseur chinois? Non, ni à un Américain d'ailleurs. On a vendu Alstom, la partie énergie d'Alstom aux Américains. C'est la même capitulation que Manoir Industries, et j'utilise le mot, que Manoir Industries face aux Chinois. Alors que Siemens était au courant qu'il y avait un moyen de construire une société européenne. Aujourd'hui, l'une des forges du groupe est en cessation de paiement. Ironie de l'histoire, si elle ferme, les entreprises de pointe françaises devront peut-être s'approvisionner en Chine. Dans leur stratégie de conquête, les entreprises et l'État chinois ont appris à utiliser les promesses d'investissement comme une arme redoutable pour balayer les obstacles. Huawei, l'équipementier télécom, est passé maître en la matière. En 2012, un équipement vendu par Huawei se retrouve au cœur d'une polémique. Il s'agit des routeurs de cœur de réseau. Moins chers que leurs concurrents, ils ont conquis des parts de marché à une vitesse fulgurante. Et cela fait peur, car ils sont essentiels pour la sécurité des communications Internet. Celui qui a construit l'équipement, il a ce qu'on appelle un accès administrateur. L'accès administrateur, c'est la possibilité de pouvoir reconfigurer le routeur. Parfois, c'est de façon complètement ouverte, c'est-à-dire que ces installations coûtent très cher et les services proposés par des Cisco, par des Huawei, ont des services qui leur permettent de le gérer à distance. Donc, ils ont la main à distance et ça de façon complètement officielle. Le sénateur Jean-Marie Bockel, dans son rapport de juillet 2012 sur la cyberdéfense, recommande l'interdiction totale sur le territoire européen des routeurs de cœur de réseau et autres équipements informatiques sensibles d'origine chinoise. Le rapport fait du bruit. Il nous est apparu que beaucoup d'attaques étaient d'origine chinoise, d'une part, y compris d'attaques d'espionnage économique, et que d'autre part, certains équipements étaient, des véhicules idéaux hein, pour des chevaux de Troie. Et le lien entre cette menace chinoise en matière de cybersécurité et la montée en puissance de ces équipementiers chinois m'a amené effectivement à exprimer cette inquiétude. Une inquiétude qui suit à l'époque les accusations de cyberespionnage émises par le Congrès américain. Huawei et ZTE sont interdits de marché public aux États-Unis et en Australie en 2012. Mais en France, 3 ans ont suffi pour lever les réticences politiques. Le sésame, des promesses d'investissement. 1,5 milliard sur 5 ans, près de 2000 emplois indirects. Quand le PDG de Huawei rencontre Manuel Valls en septembre 2014, les arguments sont massus.
Même le sénateur Bockel n'a pas résisté à cette arme de séduction massive. Et comment ont-ils fait pour vous convaincre ? C'est une bonne question, car elle m'interroge moi-même. Je pense que ça s'est fait de fil en aiguille. Ça s'est fait comme ça. Si vous voulez, lorsqu'on a commencé à dialoguer, presque en s'engueulant, enfin poliment, mais enfin en se disant des choses désagréables, on a eu, je pense, mutuellement envie de se convaincre. Hein, je suis sorti de ma dimension sécuritaire pour voir tout ce qu'il y avait d'autre d'intéressant dans cette démarche de rapprochement, d'implantation en France, etc. Et je me suis pris au jeu. Forcément, 2000 emplois, même indirects, ça ne se refuse pas. Grâce à cette stratégie, Huawei a réussi à imposer ses routeurs en France, malgré les risques en termes de cybersécurité. Aujourd'hui en Europe, les États tremblent de perdre investissement ou marché chinois. Pékin l'a bien compris et sait jouer de cette peur. Retour en 2012. Les fabricants chinois de panneaux solaires, massivement aidés par des prêts bancaires, produisent trop. Ils inondent le marché mondial en vendant à perte. Cette concurrence est en train de détruire l'industrie européenne. Une vingtaine de fabricants européens se regroupent sous la bannière de EU ProSun et portent plainte pour dumping auprès de la Commission. Il existe des rapports faisant état de prêts de banques d'État chinoises pour un montant de plus de 35 milliards d'euros. Et ceci seulement pour une douzaine de fabricants majeurs. C'est incroyable. Nulle part au monde, aucune entreprise n'a accès à de tels financements. La Commission, après 8 mois d'enquête, prouve le dumping. Elle propose de taxer les panneaux solaires chinois à 47% pour compenser la concurrence déloyale. Ce qui est en jeu, c'est un marché de 20 milliards d'euros. Ça a suscité, de ce fait, beaucoup d'excitation. Les Chinois, qui ont tendance à penser que tout est politique, ont essayé de faire en sorte d'éviter que ces mesures anti-dumping soient prises. Quand la Commission a accepté d'ouvrir le dossier, à partir de ce moment-là, c'était comme si l'enfer se déchaînait. Une véritable tempête. C'était le plus gros conflit commercial de l'histoire européenne. La Commission soumet sa proposition aux États membres. Ils ont 2 semaines pour donner un avis. 2 semaines de lobbying forcené de la part de la Chine. Le gouvernement chinois s'appuie d'abord sur l'Allemagne. Pékin menace de taxer les voitures allemandes. Quand elle reçoit le Premier ministre chinois à Berlin le 26 mai 2012, Angela Merkel est sous la pression de ses industriels qui redoutent une guerre commerciale. Elle prend l'Europe de court en refusant les sanctions et choisit de l'annoncer aux côtés du Premier ministre chinois. Tout un symbole. Nous en avons discuté et nous sommes tous les deux convaincus que le protectionnisme n'est pas la réponse pour une bonne relation dans un monde ouvert et globalisé. Il n'a fallu que 2 semaines de lobbying intense de la Chine, avec l'intervention d'ambassadeurs dans les ministères, avec le Premier ministre appelant Mme Merkel ou M. Barroso, l'ancien président de la Commission européenne. Après ça, les taxes qui auraient dû être de 50% sont tombées à 13%. Puis il a été négocié un prix minimum qui écartait l'idée des taxes anti-dumping. Un à un, la Chine rallie également tous les États pour lesquels ses investissements sont vitaux.
Ils avaient différents moyens d'influencer le processus. L'un était à travers les utilisateurs et l'autre à travers une offensive diplomatique normale vers des pays qui recevaient beaucoup d'investissements chinois ou qui avaient le potentiel d'en recevoir plus. Et ces dernières années, il y a eu des investissements chinois substantiels en Grèce, en Roumanie, au Portugal, à Malte. Vous pouvez en dérouler la liste. Au final, 18 États membres sur 27 votent contre les sanctions. À la place d'une taxe anti-dumping, les Chinois s'engagent à ne pas vendre leurs panneaux solaires en dessous d'un certain prix plancher. Le problème, c'est que le prix négocié ne convenait pas aux fabricants européens, car il était beaucoup plus bas que ce qui aurait dû être appliqué au vu des résultats de l'enquête de la Commission. La Commission a mis de l'eau dans son vin du fait de la pression ? Oui, oui, c'est exactement ce qui s'est passé. L'argument ultime pour Pékin, la menace de priver les entreprises européennes du marché chinois. Une possibilité qui tétanise toutes les capitales européennes et Bruxelles. Si le droit anti-dumping avait été réellement appliqué, c'était une guerre commerciale. Et le gouvernement chinois menaçait d'une guerre commerciale. Une guerre commerciale, je ne tire pas de plan sur la comète. Ce qui est sûr, c'est que personne n'a intérêt à quelque guerre commerciale que ce soit. Ce qui est sûr, c'est que nous n'y avons pas intérêt et les Chinois non plus. Selon la Banque mondiale, la Chine deviendrait en 2030 le premier investisseur dans le monde. Ses chercheurs seraient aussi nombreux qu'en Europe et aux États-Unis réunis. Mais depuis la crise boursière de l'été 2015, cette stratégie chinoise pourra-t-elle continuer ? Avec des banques fragilisées, les entreprises d'État trouveront-elles encore les moyens de leurs ambitions internationales ? En France, que deviendront les promesses d'investissement ? Aurons-nous à regretter d'avoir déroulé le tapis rouge ?